allez tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Jesus Christ. Je vois combien votre joie est parfaite. Amen. Your joy is perfect. Et c'est une grande joie aussi pour moi. Amen. De vous voir. Amen. Vous m'avez beaucoup manqué. Amen. You miss me. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qui nous a gardé et protégé. Amen. Et je crois que j'ai tout intérêt à vous donner au moins une nourriture de 3 mois. C'est Dieu qui nous a gardé. Je vais bien. Grâce à vos prières. Amen. Et tous les frères de Kinshasa, les frères de Passibala que j'ai rencontrés, vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Les frères qui sont aussi à l'internet là-bas aux États-Unis. Ils m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Merci. Thank you. Nous allons prendre nos Bibles. So, let's take some Bible. Et je suis toujours accompagné par la plus belle femme du monde pour moi. Fabien dit. Dans la brochure. Sur les ennemis colombes. Il dit, ce qui a fait le bon ce que je suis, c'est parce qu'il y a une femme qui se tient à mes côtés. Elle s'est interposée entre le monde et moi. Afin que je sois préservé de beaucoup de choses. Vous savez, quand Dieu commence à élever un ministère, vous avez une femme, besoin d'une femme qui a l'onction à tes côtés, afin d'intercaler tout ce qui est négatif. Dieu vous bénisse, Frère Justin, là-bas. God bless you, Frère Justin, là-bas. Frère Justin, je te vois bien. Papa Makita. Papa Makita. Et Dieu bénisse. God bless you. Frère Rodrigue. Bonjour. Et Dieu bénisse beaucoup. God bless you so much. Un bon bébé. J'ai vu le bébé. Très bon. Dieu bénisse mes frères. Good brother. Et qu'il bénisse aussi Papa Rufin. God bless you, so you, Papa Rufin. Avec tous les saints de Dieu du plein évangile. Amen. All the saints of God. Amen. Amen. Vous ne me direz pas, c'est moi qui vous dois. Amen. Don't call me, it's me. Je suis obligé de doser la prédication. Si les chaises se cassent, on va acheter d'autres. Merci. Merci beaucoup. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Let's read in Matthew chapter 3. Et nous allons commencer à Matthieu verset 11. We're going to start from verse 11. C'est un enseignement qui commence. It's the teaching that starts. Matthieu chapitre 3. Matthew chapter 3. Verset 11. Verse 11. Et je crois que c'est le béni. I believe that you be so glad and blessed. La Bible dit, moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il, c'est un homme. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Amen. Il a songé
à la main. Amen. Il nettoie son air et il amassera son blé dans le bénir, et il brûlera la paille dans un feu qui est saint. He has all his hands on him, and he takes the wheat, they put it back, and they go put all the others that not wheat, they put it for God. Notre Seigneur Jésus Christ. Our Lord Jesus Christ. Nous vous invitons ici. We invite you here. Que tu viennes dans ton église ce soir. So you may come to your church tonight. Afin de bénir ce peuple. So you may bless these people. Seigneur, ils ont donné la preuve qu'ils vous aiment même à mon absence. Lord, show that they love me in my absence. Parce qu'ils viennent à l'église. Because they come to church. Toi, Jésus Christ. You, Jesus Christ. Prends le contrôle de chaque cœur. And don't control each heart. Sincère. Of the sincere. Fidèle. And to God. Amoureux de Dieu. And to God. God. Et soyez bénissant pour eux. Amen. Qui ne manque de rien. That you don't want anything. Dans le spirituel. In spiritual. Et dans le physique. In the physical. Fortifie leur chair. Fortify your flesh. Enlevez toute la fatigue. Enlevez toute la maladie. Enlevez toutes les pensées négatives. Les péchés inconfessés. Que tout soit chassé au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant. Soyez une bénédiction pour nous. Parce que nous croyons en toi. Because we believe in you. Tu es la colonne de feu. You are the pillar of fire. Et tu as dit Père dans la parole. He said the word. Tu feras la différence entre ce qui sert que la parole. He said that you are the Father of the word. C'est la vie de Dieu. The pillar of God. Alors maintenant. But now. Je vous en prie. And I pray to you. D'agir. And to act. Bénis le frère. Bertrand qui a passé tout son temps ici avec son épouse. Yes, travail qui a été fait que tu puisses le bénir. Et tous les frères qui l'ont aimé, qui l'ont soutenu, soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you so much. Pour vous asseoir. Merci. Mes salutations envers vous sont sincères. My sister, good. Et c'est l'avance combien je vous aime. I show how much time I love you. Que Dieu bénisse le frère Chris. God bless you, brother Chris. Dieu te bénisse beaucoup. Thank you. Il nous a toujours soutenu. Always back us on. Parce que les frères qui nous suivent dans le monde entier, certaines personnes n'entendent pas le français. There's some brothers that are watching us around the world. Some are not the French people. Et ils ont besoin de comprendre ce que nous prêchons. They need to understand what we preach. Et nous avons maintenant beaucoup de chrétiens dans l'auditoire invisible dans le monde entier. And we have many Christians in auditorium and visible around the world. L'autre fois, c'est une femme qui m'a appelé depuis le Maroc et dit pasteur. The one time it was the woman that got me from Morocco. Je ne suis pas de ton église, mais je te suis. She told me that you are not in your church, but you are watching. Si Dieu permettait que j'arrive au Gabon, je dois être dans ton église. Amen. Amen. Et comme ça, depuis les États-Unis, je vous remercie pour le travail que le frère Ferrand a dû faire. Amen. God, I bless God for it. Maman Nora, je te vois bien. Maman Nora, je te vois bien. Bon, comme aussi, le bébé est où? Il est où il est fait? Il est là. Je vais le frapper à la fin de l'année. Merci Seigneur. Donc les gens qui sont dans nous suivent à l'internet sont très contents. Those that watch us from internet, they're happy. De ce système que nous avons mis en place. But this is a good place. Afin de pouvoir aider les frères. So you may be able to help some brothers. Que Dieu vous bénisse. And God bless you. Amen. Amen. Merci. Nous allons thank you. Commencer un enseignement sur le Saint-Esprit. We are going to start a teaching on Holy Ghost. Merci. Thank you. Le frère Bertrand, notre ministre, nous a prêché sur la stature de l'homme parfait. Our brother Bertrand preached us on the stature perfect of man. Il faut pas oublier que cet enseignement, ça nous montre la manière dont Dieu peut construire une maison où lui-même Dieu peut
réalité. And it's show the way God can build up a house or where God himself can buy. Dieu fait habiter dans l'homme. Oh, what a body man. Et ce n'est pas n'importe quel homme que Dieu peut habiter. It's not the kind of man that God can think of. Dieu fait habiter dans l'homme que lui-même Dieu a créé. God wants to go and live the man where himself he will build. Il possède qui a la même nature que lui. Amen. The same person that has the same nature to him. Une personne créée à son image ayant la même nature que lui. A person built on his own image and the same nature for to him. C'est pourquoi Dieu décide. So that's why God decide. De façonner l'homme. To fascinate man. C'est pas la même. Amen. Non, amen. Amen. La Bible dit qu'au commencement Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui sont. Baba, we said at the beginning, God put heaven and earth with everything that goes on. Et au sixième jour, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. So day, God put man upon the resemblance and trained him on his own image. L'homme créé à l'image de Dieu n'était pas d'abord un homme de chair. Man put the image of God was not a human flesh. C'était un homme esprit. Was a spirit, a man spirit. But Dieu est esprit. Because God is spirit. Si l'homme créé à son image, Dieu créé l'homme à son image, cet homme-là doit aussi être esprit comme Dieu. Amen. God created his own image. That man. C'est esprit. It is spirit. La ressemblance de Dieu. Is it so avenue. C'est la parole. Is the word. La théophanie. Is it théophanie. C'est pourquoi Dieu. That's why God a créé l'homme à son image. The great man is on image. Un homme esprit. A man spirit. Et cet homme esprit. And that man spirit. A été appris une forme. A took a form. On peut le voir. A can see him. On peut le toucher. Can touch him. C'est la forme de la parole. It is the word form. La forme, même forme que les anges. It is the same form of angels. Au commencement, l'homme avait un corps comme celui des anges. Amen. In the beginning, man had the same body with angels. Alors Dieu prend l'homme dans la forme la plus élevée. God took man from the highest level. Il descend l'homme. Et the lower man. De l'esprit, l'homme et de la parole. Amen. And the spirit to the world. Et Dieu ne s'est pas limité là-bas. God didn't limit him. Il est descendu encore trop bas. Et c'est more lower. Pour que l'homme devienne chair. So man can become flesh. Mais Dieu amène l'homme. Allez, chef pour un beat. Je t'entends de l'air. Parce qu'en tant qu'homme esprit, il ne peut pas tomber. Humain esprit. En tant qu'homme à la ressemblance de Dieu, il ne peut pas tomber. Il était la parole. Ce parcours. So that's why God will observe all this. Dieu a croisé les bras. Just wait on his hands. Faut laisser l'homme tomber. Just allow him to fall. Et quand l'homme est tombé, when man fell, Dieu aussi commence son propre processus. God has begun his own process. De l'esprit, the spirit,
mighty. Il est devenu la colonne de feu. Il est devenu Elohim. Il est devenu Melchizedek. Il est devenu Kendall. Il est devenu Shadow. Il est devenu Shadow. To see how man eat. Pour voir comment l'homme pêche. To see how man sing. Dieu voyait. God seen. Et il a fait un grand miracle. He does a great miracle. En portant sur sa chair. To bear on his body. Tout le péché de l'homme. All the sins of man. Il a mené tout ce péché là à la croix. He brought all the sins on Calvary. Et Jésus Christ, Dieu a crucifié le péché à la croix. Amen. Afin que quiconque croit à l'œuvre du Calvaire, afin que quiconque croit à ce que Jésus Christ a fait au Calvaire, qu'il soit justifié. Amen. Qu'il soit sanctifié. Amen. Et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen.
quelque chose de fort. I want to say something. Une personne, qui est arrivée à cette condition. Qui est arrivé à cette condition? That you the root in this condition. On ne peut pas le maudire. Ah, okay. The coming down of the angels. Dans la grande constellation. In great constellation. Est-ce que c'est le signe du temps de la fin? Is it that the sign of the time of the end? Ou monsieur, est-ce l'heure? Or, sir, is it the hour? Oui, c'est l'heure. Oh, yes, okay. It's the hour. Paragraphe 166. Le septième ange, the seventh angel, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Notice the kind of message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, au deuxième ange, au troisième ange, quatrième ange, cinquième, sixième. So this will not address to the first and the sixth angels. Mais c'est le septième ange, but it's the seventh angel, qui avait ce genre de message. That had that kind of message. Qu'est-ce? And that means. Remarquez ce genre de message. See the kind of message.
c'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Accomplish all the mysteries that be here in the book. Le septième ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations. So the seventh angel put end to all the mysteries to be held up to all the long age. Et dénomination. Le septième ange les réunit et met fin au mystère en Dieu. And the seventh angel write and put end the mystery of God. C'est ce que dit la Bible. It's what said the Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. It puts the end to the mystery that the book written. Paragraph 169. Paragraph 69. 169. Voici quelques-uns de ces mystères. See some of those ministries. Madame les rapporte. About the brightness of Israel through the long age, through the church ages. Le mystère de la divinité incarnée ou dans un homme. And the ministry of divinity being incarnate in the monk. Le mystère du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. The mystery of baptism of water in Jesus' name. Le mystère de l'enfer qui n'est pas éternel. And the mystery of the hell that not everlasting. Le mystère de l'accouplement d'Israël pendant cet âge. The mystery of the blindness of Israel in this age. Le mystère de la translation des saints vivants dans cet âge. And the mystery of the saints for the translation of living in this age. Le mystère de Babylone, de la prostituée. The mystery of Babylon, the prostitute. Baba raconte tous ces mystères. Baba speak of all those mysteries. Nous avons aussi le mystère du retour de la colonne de feu. We have also the mystery of back of blood fire in the church. Rabbanam dit c'est la chose qui est censée arriver. God said it's what that must is supposed to come. Et nous la voyons. That we are seeing. Dites amen. Amen. Alors on dit que ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Amen. It was so that it's the best mystery that the angel is supposed to be accomplished. Il s'agit de Frère Branham, bien sûr. But that here is about to be Branham here. Tous les mystères, tous les mystères de Dieu. All the mystery of God. Et les autres ne peuvent dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même. And the others can say it without it with myself. Mais plutôt à l'ange de Dieu. More the angel of God. C'est le mystère qui doit être révélé aujourd'hui. It's the mystery that must be revealed today. Le mystère de la sémence du serpent qui fit un mystère caché durant toutes ces années. The mystery. La grâce redressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Amen. The grace, not the disgrace, and the real grace. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. It does not exist the everlasting hell that be born. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Je vais born within some thousands of years, but it's not everlasting. L'enfer fut créé. The hell being great. Tous ces mystères. All those mysteries. Le mystère du baptême du Saint-Esprit. Sans sensation, the mystery of God without sensitivity. Mais the Holy Ghost. But la personne de Christ, but the person of Christ, accomplissant en vous, and accomplishing to you, les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. The same work that I've done. C'est là où les frères du message de Frère Branham, is here the brothers of message of Frère Branham, se sont accrochés. That just be preach. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. But that will go without sensation. Et les frères du message, venus les pasteurs, the brothers of message, I mean pasteurs. Alors, Frère Branham n'a pas mis un point, il a mis une virgule. Nous devons continuer la suite. Amen. Continue de le faire. Croyant. Mais, but la personne accomplissant en vous, accomplishing in you, le même œuvre qu'il a faite. Donc, si vous avez reçu, so if you have received, le baptême du Saint-Esprit sans sensation, nous ne refusons pas. We don't refuse. Nous ne rejetons pas ça. We don't reject it. Mais non, ça vient nous de l'endroit. But you want to see. La personne de Jésus-Christ. Yes. Accomplissant dans
résurrection. Incapable. Il ne peut pas faire.
position. Et stop crying. Et il se positionne. Chaque pharisien a ramassé un caillou. Il a fait trop les aventures là à Jérusalem, à Nazareth, là où nous sommes à Bethanie. Fais pas la batterie. La même voix. Encore.
Il n'a qu'à se rallier. Il n'a qu'à se rallier. Parce que nous allons passer maintenant au 4-4. C'est le pire 3-4 pendant du descendant. Il sort. Le pouce. Sort. C'est la boule de pas gentil. Alors on a besoin de la patate. Yeah.
même. Jesus came out. Vous te ramenez du monde à la parole. The bigger out for the Lord to the Lord. C'est le ministère du Fils de l'homme. Il est sorti de son main. Mais ce n'est pas terminé là. Non, il dit à mon père. Lazare est sorti. The Jesus came out. Jésus a dit à ceux qui étaient à ses côtés. Amen. Ce que ça va rendre. Délie-le. Voilà le ministère des Éphésiens 4. Si le ministère est au péché, voilà comment on a besoin de faire. Jésus-Christ a sauvé un pécheur. Jésus-Christ a sauvé une soeur. Jésus-Christ a sauvé un frère. Jésus-Christ a libéré un frère. Mais ce n'est pas terminé. On doit te lier le frère. C'est la même voix qui a cherché Adam. C'est la même voix qui a ressuscité Lazare. That was of Lazarus. Et Frère Branham dit, cette voix là, c'est voice. Et aujourd'hui dans l'épouse. C'est pourquoi dans la brochure d'enlèvement, Frère Branham dit, so that's why the bullet in the rapture, said, Christ fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Said, God, fulfills why you are coming down. Le cri de commandement, le chant de commandement, la voix de la trompe, the voice of the angel, et la trompette. And the trumpet. Ces trois choses, those fulfills, sont un, are one. Christ fait ces choses God all the things. Pendant qu'il est descendu. Amen. Je vais vous enseigner jusqu'à présent. Dis-moi, il y a beaucoup de prédicateurs, amen, many preachers, qui ne connaissent même pas le mouvement de l'esprit. Comme Adam dit la mauvaise condition pour les enfants d'Israël. For the people of Israel. C'est quand la nuée se déplace. It's when the cloud that will move now. Au lieu de vous déplacer, it's not you step now. Vous restez là au bout de John sous la nuée. We were under the cloud. C'est ça la dénomination. Vous parlez des vieilles expériences. You are speaking about the old experience. Vous parlez du vieux et du vieux message. Vous trouverez la justification d'un message. Le but, c'est de mettre justification
sanctification, we shall get justification in the mercy. Ceux qui veulent rester dans la sanctification, those who want to rester in the sanctification, they will be instigated in tous les jours, on doit mettre les brebis. Les brebis must be here. Vous devez changer. Vous irez en enfer. Vous allez rater l'enlèvement. Nous allons rater l'enlèvement. Vous allez me commencer comment? Est-ce que moi j'ai cherché Dieu? C'est lui-même qui est venu me chercher. Parce qu'il veut m'amener à l'enlèvement. Alors c'est lui qui a commencé le livre. Je veux voir ta main de lui. C'est toi le cheveu. Ce n'est pas toi qui a commencé à chercher Dieu. C'est lui qui nous a cherché. C'est qu'il a des capacités. De vous appeler, de plus que de tu à la perfection. Donc, si vous voulez rester dans les sensations, les émotions, les messages, tu vois, tu vas rester dans les choses, les messages, les messages. Tu vas rester là. De ce stade. Vous voulez demeurer dans les songes. Et vous voulez demeurer dans les songes. Vous pouvez rester dans les messages. Vous voulez demeurer dans les prophéties de parler à l'âme. Vous voulez demeurer dans les prophéties de speaking in tongues. Vous trouverez tout dans le message. Et je donne le message. Mais Dieu, nous a appelé à l'adoption. Et adoption, c'est être comme Dieu. Pour que Dieu nous adopte, vous devenez un écouteur. Alors, et c'est là où nous voulons amener l'église. C'est là où nous voulons amener chaque croyant. Et donc, je veux dire ceci. Mais avant de se dire, en rapport avec le matériel de Saint-Esprit, et avant de se dire, c'est mieux outil de notre vie. Je crois, je crois, je crois, baptême de Saint-Esprit, en rapport de sans sensation, il t'a réfléchi. Mais, la personne, le Père de Christ, Christ accomplissant dans l'homme, accomplissant lui-même les choses qu'il a faites. Amen. Et je crois aussi, I believe also au baptême du Saint-Esprit, le baptême de Holy Ghost, avec sensation, révélation. Yes. Lève la main. Amen. Je dis bien avec sensation. Amen. Oui. Et le résultat des sensations, c'est la même. Le même. Christ se manifestant. Amen. Mais manifestant dans l'homme. Amen. Amen. Je ne l'ai pas entendu. Amen. Je donne l'exemple qui est public. I give a biblical sample. L'exemple du baptême du Saint-Esprit avec sensation et sans sensation. The people were used to be baptized with the sensation and without sensation. Je prends ça avec le type de mari. I take it in the type of the Mary. Ma mari a conçu. My Mary built Jesus Christ. Jesus Christ. C'est sans sensation. Amen. Je vais la main. Quand Marie part maintenant pour accoucher Jésus. When Mary now went to give birth to Jesus. Là c'est avec sensation. Amen. Parce qu'elle doit prier. Il prend tout. Il touche everything. Il s'en va.
And in where? C'est sans sensation. It's without sensation. Il n'y a pas de que les âmes. 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 Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Je n'ai pas encore commencé à créer, mais je vais priver les âmes. I'm not yet to begin to teach, but I just want to make some people. Amen. Je vais vous dire, mes amis. I want to tell my friends. Le frère Branham. A reçu le baptême du Saint-Esprit. That received the baptism of the Holy Ghost. Avec sensation. With sensation. Amen. He said that the old black man my posted les mains sous sol dropped his hands on me on the ground. Dans le petit hangar and the little angel. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. I didn't know what happened. Et quand je me suis réveillé, when I woke up, j'étais en train de pleurer, de baver. Alors, si c'est une sensation, comment Branham va pleurer? Comment Branham va pleurer? Il va pleurer. Il va pleurer. Comment? C'est pourquoi mes chers prédicateurs de frères, that's what my dear preachers and my brothers, je veux que vous considérez la virgule. I want you to consider the full stop. Placé par William Marion Branham. Blessed William Marion Branham. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mettez-moi la virgule. The mystery of baptism of the Holy Ghost without sensation. Put me the. Mais. The full stop. La personne. But the person. The Christ. In Christ. Accomplissant. In accomplishing. En vous. In you. Les mêmes œuvres. The same work. Qu'il a faites. The same work. Il y a quoi même? Amen. Les gens blaguent avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'imagination. Amen. Je ne parle pas de votre Saint-Esprit que vous avez reçu en songe. Ou du Saint-Esprit qu'on a reçu en touchant la télévision ou en touchant la radio. Non. That's what I received by touching the religion today. Je parle à Dieu. De Dieu. Oui, monsieur. Attendez. Écoutez-moi, mes amis. C'est un feu. C'est un feu. Qui vient entrer. Le feu. Fire. Naturel. Naturel. Touchez ça. Touch it. What you do with the Saint Esprit sans sensation? You need to work the Holy Ghost sans sensation. Touchez-moi le feu qu'on fait avec ça la graisse. Touch me the flat fire that burning in the charcoal. J'attrape. You hold it. Et tu es la sensation. Et here with the sensation. C'est toi qui vas. Vous savez ça même si tu as la foi. Il y aura la réaction. Il y aura cette réaction. Nous plaquons, nous jouons avec la foi, avec les choses spirituelles. Mais quand on passe du surnaturel au naturel comme le feu. We are joking with the spiritual things, but when you talk up from spiritual to natural, I take an example like the fire. Madame dit que tous les 16 éléments qui sont dans l'homme, le pétrole, pourront réagir quand vous touchez le feu. We are saying all the 16 elements that are for the earth, that are in man, will obey. Que chacun de vous, en fait, quand ce soit fait l'expérience, prenez-moi un gros morceau de coco chaud à avaler. You will tonight can make this experience as you're going home. Et take a great hunting for food. I swallow you up.
Comme ça, je vais vous me livrer le dimanche si vous avez avalé ça avec sensation. Alors vous prenez la colère de feu, plein de feu, vous nous affalez ça là-bas dedans, et vous êtes assis. Non, ça va vous faire sauter. Ça vous prendrait dans les bus et dans les taxis. Ça vous prendrait dans les pirogues pendant que vous allez faire la pêche. Alors il faut bien connaître les dangers. Amen. Vous êtes bien connus des dangers. C'est le bastion de Dieu. Amen. Dans la prochaine histoire de ma vie, c'est pas là que j'allais prêcher quelque part. On a invité dans une réunion des prédicateurs. Probablement il marchait là-bas. Alors il dit que tout le monde a prêché. Il a assisté à la prédication d'un vieux prédicateur. And assisted a preaching of the old preacher. Il a pris le message depuis l'éternité. Il took the message from eternity. Il a ramené ça dans le temps. Il a pris ça dans le temps. Il a placé ça dans l'âge dans lequel il vivait. Et il a placé ça dans l'âge où il vivait. Moi, Banam dit, le prédicateur l'a cité à la chair. Bon, je n'ai pas cette place pour prêcher ici. Il a dit, le prédicateur, c'est un grand homme qui est le prédicateur. Comment il commence à sauter sur cet homme? I was completely. Il est celui qui était à mes côtés. C'est le rôle à toi. On a dit le rôle dans la salle. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît William Branham. And we begin to ask the heart. Here, no one knows William Branham. Les femmes avaient un t-shirt percé. Le bonbon avait the wordy t-shirt. Avec un pantalon tunique qui serrait les mollets. Which estimate trousers. Il a demandé est-ce que 100 personnes connaissent William Branham? They ask about how many people. Yeah, from Branham. Monsieur, est-ce que tu connais Branham? He said, you, est-ce que tu connais Branham? Est-ce que tu le connais? Il est ici, il est Je la commence dans Jean 4 quand Jésus lui se pleura. Le prophète Branham dit la chose qui s'est passée ici.
de relation avec lui. Dis le Seigneur, je vous donne mon corps féminin. Alors là, tu vas négocier. Now, il peut faire de quoi ce qu'il veut. Ah, I can do what you want. Si tous les gens, if everyone, ont mal marché dans le monde, that now only one word, Dieu vous attrape dans la parole. Notre Saint-Esprit.
Si vous l'avez, vous aurez un foyer heureux. A happiest family. Un foyer où la femme connaît sa place. A family, a household where a woman knows her place. Et l'homme aussi connaît le sien. Amen. A man is also know his. Connaître votre place ne veut pas dire être dictateur. Amen. A man is also know his place. Non. Je n'ai pas entendu un amen de ça. Amen. Pourquoi? Un chef qui gronde au travail, les agents n'auront plus peur de lui. And a chief that are believer on his own place, the agent will not be afraid of him. Hallelujah. Just we started making it right. Un chef qui gronde beaucoup perd le caractère. Un chief that always Bonne lost the mais vous pensez que nous sommes votre maison avec la dictature, la force, la colère. You already think we are harsh with the dictature, with your wrath and the anger. Les enfants vont vous donner un nom. When you rise with the great shout of life, you see all children have to become quiet when the father came. Right. C'est qu'il ne lit jamais les carrières. La grande nuée de gloire. Amen. Great glory of glory. Colonne de feu.
Afin que nous ayons la même vie que lui. C'est pourquoi Frère Bana parle d'un poisson appelé Zomo. That's why Papa speaks. Zomo, he said the summer. C'est un poisson d'eau douce. It was a fish, a light fish. Quand il fait ses enfants. When he gave birth. Il le laisse dans l'eau douce. He just dropped into the light water. Il sort de l'eau douce, de l'eau douce pour venir dans la grande mer. He came up from the light for the ocean to come to the big sea. Il passe toute sa vie dans la grande mer. Amen. Quand il commence à sentir que sa vieillesse et sa mort arrivent, when he begins to feel that he feels his illness and death, il quitte les eaux profondes. He came out from the deep sea. Et il revient dans ses eaux d'origine. He came back to origin sea. Quand il arrive là-bas, il va mourir. When he came there, et il ne meurt pas ailleurs, mais il meurt au milieu de ses enfants qu'il a laissés grandir. He can't die outside, but he died in the midst of the children that he left. Vous ne verrez pas son corps sans cadavre. Amen. The Lord said, I can't see his body and even his corpse. Quand il meurt au milieu de ses enfants, when he died in the midst of the children, ses enfants vont le manger. And his children will eat him. La mère Solo. That the fish someone. Est mangé par ses enfants. He eat by his children. Et la mère s'incarne dans les fils. And the mom became his son. Pourquoi la Bible dit l'absolu le corps? That's what the Bible said. Where is the body? C'est là où les êtres tous se rassemblent. Oh. Le corps de qui? Le corps de Christ. Le corps. When the body est là, is here, et les ailes se rassemblent, and the eagles just qui est venu autour de ses enfants, that the children among his children, pour que ses enfants le mangent, so that his children eat him. C'est pourquoi les ailes, quand ils voient le corps mort, fraîche, when the eagles saw some fresh dead, chacun tire sa part. Each one takes his share. Et après un moment, quand tu reviens là, after a moment you come back, je ne vois plus le corps. You see no more the body. Mais le corps est parti où? Well, where is the body? Le corps s'est incarné dans les enfants. The body came in the body in the sons. Et les enfants reçoivent automatiquement la vie de leur mère. Amen. And the children receive automatically the life of the mother. C'est ce qui se passe avec nous pour le baptême du Saint-Esprit. Je vais lire le paragraphe 2-3 de la brochure Est-ce que le Saint-Esprit? I want to read the paragraph 1-2. Je vais lire le paragraphe 22 et le paragraphe 27. 22 et nous sommes 27. And so she will end of it. Frère Madame dit, Frère said, lorsque un corps est guéri, he said, when a body are here, cela nous rend tous heureux. It makes us all glad. Parce que nous savons que cela a montré d'une façon rédemptoire que notre Dieu guérit les malades. Amen. It is sure that God heals sick. Mais peut-être que ce malade, s'il le vit assez longtemps, sera de nouveau malade. If that boy heal more, live long, you also fall and sick. Peut-être la même maladie dont il a été guéri. Maybe the same sick that you will heal. Cela n'enlève rien à la réalité de la guérison. It didn't remove anything. Un remède contre la pneumonie. But the doctor will give you a tablet about against the rhumatism. Et peut-être deux jours après, le malade mourra de la pneumonie. Maybe after 2 days, the sick one will die from that sickness. Après que le docteur aurait dit qu'il allait mieux. After the doctor said that he getting well. C'est la maladie qui est revenue. It is the sickness that can has come. Mais quand votre âme est guérie. But when your soul are healed, alors vous avez en vous la vie éternelle. Amen. You have in you everlasting life. Il y a pas d'amen? Amen. Je crois that believe que nous sommes si près
de la venue du Seigneur. They are so near to the coming of Christ. De la venue de notre Seigneur Jésus. To the coming of our Lord Jesus Christ. Qu'il nous incombe de faire tout ce qui est en notre pouvoir. That so much occupy us to do everything that our rules. Pour amener chaque âme au royaume et apporter le royaume à tous. To bring each soul to the kingdom and to bring the kingdom to us. On doit amener chaque âme dans le royaume. So bring each soul in the kingdom et apporter le royaume à tous. And to bring the kingdom to all. Amen. Paragraph 22, we want to say. À cet endroit. In that place. Nous voulons traiter le sujet que nous pensons être le principal sujet pour aujourd'hui. We came to take the topic that we consider as the topic of today. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Ghost? Le sujet capital, principal. The capital subject and principal. C'est quoi? The Holy Ghost is what? Il n'y a pas la main? Amen. Vous ne pouvez pas vous faire initier dans un loge que vous ne maîtrisez pas les principes. Amen. You cannot be initiated in a court that you don't time up the principle. C'est pourquoi Frère dit qu'avant de vous adhérer à une église, vous devez connaître exactement qu'est-ce que cette église croit. Amen. That's what the Bible said that before belong to the church must look for what the church believes. Il y a aussi des églises qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils croient. There are some churches that doesn't know what they believe. Nous croyons le Mr. Just believe Mr. Paul Brown. Et c'est tout. And he's all. Le message fondamental c'est quoi? The message of Paul Brown is what? What is? Ça met des gens où? Where do you need people? Y a pas la main? Amen. 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 Le prophète dit. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet. The reason why I choose this topic. Est que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit is that you can't receive the Holy Ghost si vous ne savez pas qui il est. If you don't know who he is. Amen. Vous ne pouvez pas. You can't recevoir le Saint-Esprit. You receive the Holy Ghost si vous ne savez pas qui il est. If you don't know who he is. Who he is. Mais vous devez le savoir. Amen. On ne peut pas recevoir quelque chose qu'on ne connaît pas. We can't receive something that we don't know. Amen. Even if someone can give you a present, he said that it's a gift. You should ask, what you give to me is what? Is what? Y a pas la main? Amen. 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 Sauf si tu es peut-être un hindouk. Et si tu es un hindouk. Tu ne connais pas l'importance de la chose qu'on vous donne, la village. I don't know the importance of the things that you have given to you. Nous ne sommes pas des païens, on va vous prendre au village. Allons-y, faire la circoncision là-bas. On prend le paquet où les vieux grands-pères en fait ne savent pas vous donner. Vous ne regardez pas c'est quoi, vous mangez seulement. We are not like villages that take you to for the constitution and give you some things that to eat and that don't know what. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Then we talk about the Holy Ghost. On doit savoir ce qu'il est. You must know what he is. Alléluia, madame. What I'm saying. Si vous ne voyez pas, décidément. Et vous ne pouvez pas le recevoir. He cannot receive it. Même si vous savez qui il est. Even if you know who he is. Si vous ne voyez pas. If si vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'il a été donné. If you don't know what he has been given. Si vous ne savez pas pourquoi il a été donné. If you don't know what the reason why it's been given. Et si vous ne savez pas que si. Et vous ne savez pas qu'il est pour vous. Amen. Et si vous ne savez pas ce qu'il apporte, if you don't know what he brings, on doit connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. You must know what is Holy Ghost. Et on doit connaître l'importance que Dieu nous donne ça. Amen. You must know the importance of the. You must know what does not come in us. Et on doit aussi
savoir comment le recevoir. And we must also know how to receive. Et encore si on a très comment savoir si vous l'avez ou pas. Must know if you have it or not. Je ne parle pas ici du Saint-Esprit des prédicateurs du message qu'on nous a distribué. I'm not talking about the Holy Ghost of the preacher message that that be distributed to you. Dès que vous êtes dans le message, vous avez le Saint-Esprit. Once your message, you have the Holy Ghost. Very powerful. Et après, quand on regarde les résultats, after when you look the results, c'est contraire au Saint-Esprit. Amen. It's contraire to the Holy Ghost. Ce n'est pas de cela. It's not that. Parce que vous avez été dans les églises. Hein? Because you have been in churches. Vous avez quand vous avez le Saint-Esprit, vous l'avez. Quand vous dites amen au message de Frère Branham. When the church, all those churches will say that when you say amen. On a dit amen. I believe the message. Et après quand on regarde comment quelqu'un le Saint-Esprit vit. After when you look at how the way the person. C'est contraire à votre Saint-Esprit. It's contraire to the Holy Ghost. Ramanam dit vous avez attrapé un esprit religieux. Et un esprit religieux n'est pas le Saint-Esprit. It's not the Holy Ghost. Alors, le prophète dit dernière citation. And the prophet said the last quotation. Paragraph 27, qu'est-ce que c'est? Un paragraphe qui nous fait voir la gloire. Il y a une immense différence. Entre un simple chrétien between a simple Christian et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Christian filled by Holy Ghost. Il y a une différence. There's a difference. Entre un simple chrétien et between a simple Christian et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. And a Christian filled by Holy Ghost. Il y a une différence. Donc, someone can be a Christian. Mais il n'est pas un chrétien rempli du Saint-Esprit. It is not a Christian filled by Holy Ghost. Mais il croit en Christ. But he believes in Christ. Il va dans l'église. He just go to church. Relative. Il paye his tithe. Il paye les offrandes. Il paye his offerings. Mais il n'a pas de Saint-Esprit. He doesn't have the Holy Ghost. Et ça ne lui dit rien. He tells himself nothing. Pour lui, l'essentiel, c'est d'être dans le message. To him, the essential is to just doing a message. Vous avez écouté un menteur. Amen. Je veux un amen de votre part. Amen. Amen. Vous savez que quelqu'un peut vivre d'une manière pieuse. Did you know that someone can live in a pure way? Je vais être un peu clair. I want to be clair. Est-ce que dans le monde les païens, il n'y a pas de païens vierges? Est-ce qu'il faut un message? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de païens vierges? Il n'y a pas de païens vierges. Est-ce qu'il faut un message? Non. Est-ce qu'il faut un message? Non. Parce que tu ne vas pas avec les femmes, tu ne vas pas avec les hommes. Parce que tu ne vas pas avec les hommes. Parce qu'il n'y a pas de sens. Amen. 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 Parlons là de quelque chose de principal, de capital, de très important. Amen. We are speaking about something important and capital. Je préfère que tu manques tous les dons de l'esprit. Amen. The next all the spiritual gifts. Mais ne manquez pas le donateur. Amen. Et par les
puissamment pour nous, mon roi. Tu connais nos cœurs, tu connais véritablement nos pensées, en fuyant dedans de nous, et ce soir encore, tu nous interpelles, éternel. Ô Dieu, tu as inspiré ton serviteur, éternel. Seigneur, pour nous, mon roi, je ne t'appelle pas encore au Saint-Esprit. Ma prière ce soir pour nous, mon roi, et que tu nous aides, Seigneur Jésus. Ma soeur, l'éternel, puisque ton cœur a recevoir l'éternel, ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Oh, ce soir, nous sommes dans l'expectative, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi, l'éternel, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Dieu tout puissant, ce soir, mon Dieu, mon roi, nous avons rendu ta parole. Alors que nous rentrons chez nous, ô éternel, dispose mon Dieu, mon roi, nos sentiers vers l'éternel. Car les sentiers dont nous voulons par ton sang, ramène-nous avant toi dans nos demeures respectives. Éternel, Dieu des armées, si il y a un lendemain vers l'éternel, permet que nous puissions nous lever ce dimanche vers l'éternel. Ô Dieu, pour davantage manger ta chair vers l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, ce soir nous recommandons ces offrandes et livres vers l'éternel. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les mêmes qui donneront, Père éternel, même ceux qui ne donneront pas. Je prie pour que tu puisses nous avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste pour quelques annonces, à partir de la semaine prochaine, les réunions seront fixées pour mardi, mercredi et vendredi à partir de 17h30. Amen. Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera le mercredi, mardi, mercredi, vendredi 17h30. Amen. Et le dimanche, comme d'habitude. Mais pour le moment, donc, étant donné que le pasteur vient d'arriver, donc demain il n'y aura pas d'entretien. Amen. Toutefois, s'il y a une urgence, vous connaissez la maison. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse et bonne soirée.